Salam alaikum, Mazul Fillaoun, bonjour. Ce n'est un secret pour personne. Le sport, comme la culture, ne sont plus de ce monde en Algérie. Ils ont trépassé. Ils sont morts de leur belle mort, tranquillou, sans faire de bruit. Il ne reste de l'une et de l'autre que des succès d'années de culture et du sport import-import pour l'occasion. Pour le football, c'est simple. Quand ce n'est pas la Coupe du Monde, c'est le maquignonnage au souk des tueurs de tapis. Jebedine Zaraba. Là où les coups tordus, les coups bas, les entourloupes, la corruption, l'affairisme sont encore plus sordides et plus retors que dans les officines politiques les plus sombres. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que ces deux mondes sont très liés, très unis par le ciment de la scélératesse. En tous les cas, le football algérien qui traîne les crampons comme il peut, qui n'en finit pas de sombrer, entraîné vers le gouffre par une faf qui est pour lui un véritable boulet, n'a plus la capacité de former des talents, encore moins de les exporter, ou si peu que nous pouvons dire, sans rire, que c'est l'exception qui confirme la règle. La meilleure preuve du naufrage de notre football est dans la composition de l'équipe nationale. Le mérite des footballeurs de la diaspora, mis à part, bien sûr. Mais oui, c'est comme ça que ça se passe chez Makdolma. En temps ordinaire, le foot algérien, c'est le souk de l'affairisme des porteurs de sceaux qui sont devenus milliardaires. Mais quand c'est la Coupe du Monde et qu'il faille donner des jeux au bon peuple pour l'endormir et lui permettre de se shooter, c'est le cas de le dire, au football, la FAF et le régime ont trouvé d'un commun accord la panacée pour pallier à leurs grosses carences. C'est simple, nous n'avons plus de joueurs de niveau international, ok? Alors, il faut les importer et là, on se rappelle que nous avons des compatriotes émigrés que nous avions complètement mis de côté, dont nous ne nous rappelions que pour leur demander d'aller voter pour des impotents ou des incapables. Et heureux hasard, ces compatriotes-là sont ont des enfants qui se sont distingués dans le monde du football jusqu'à en devenir des vedettes internationales dans les plus grands clubs européens. Et comme ils ont gardé au fond de leur cœur, pour leur pays d'origine, un attachement, j'allais dire, viscéral, il n'a pas été difficile de les importer, excusez du terme, et de s'en servir pour monter en deux temps, trois mouvements, une équipe nationale bon teint. Et le meilleur, c'est lorsque elle se distingue, qu'elle brille, qu'elle réalise des exploits, alors là, c'est tout bénef, et pour le régime, et pour la FAF. Autant cette équipe improvisée, livrée en kit, prête à l'usage, servira-t-elle aux populations pour se shooter au patriotisme footballistique, pour avoir leur dose de ballon, autant elle permettra aux maquignons de la FAF de repartir pour un autre tour. La FAF n'a plus qu'à crier « Vive Fafa !» qui l'a aidé à sauver sa facha, et roule, remoule, et rira bien, qui raurawa roulera. Aujourd'hui, Al-Watan, Bouteflika demande à raurawa de garder Ali Zodi, j'y arriverai jamais, excusez-moi. Vox Populi, Vox Dei. Huffington Post, Makash Fenech, le voyage des Verts au Qatar annulé sur injonction des hautes autorités algériennes. Le soir d'Algérie, Union arabe de football, Mohamed Raouraoua assure la présidence. Commençons par visionner ensemble une petite vidéo où vous allez entendre Bouteflika demander à un joueur pour la photo de famille de se mettre à son niveau. Et plutôt que de lui demander de se baisser, il va lui dire mettez-vous à genoux. On va voir cette vidéo. La confrontation, le peuple algérien. Qui est très fier de vous. Au stade, vous me mettez à genoux. Avec nous aujourd'hui pour nous éclairer sur ces histoires à dribbler Messi, Hicham Abboud, journaliste. Hicham, merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi qui vous remercie, Jamal. Bonsoir, Bonsoir. bonjour, Sahar Ramdan, comme à Sahar tous les Ramdan. téléspectateurs de Magharibia. Merci beaucoup. Alors, cette sortie de Bouteflika qui a ordonné de garder Halilhodžić, j'y arrive, hein, j'y arriverai. Quel rôle a-t-il joué dans la formation de cette équipe et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un président de la République ordonne à un président de fédération de garder un entraîneur alors qu'il s'est passé des tas de choses? Dites-nous. D'abord, mon ami Jamal, je te remercie de m'avoir donné l'occasion d'exprimer ma peine et mon affliction de voir le président de l'Algérie dans un état vraiment pitoyable. Il faisait vraiment de la peine à le voir assis, la tête entre les épaules, le regard perdu, parlant difficilement et très essoufflé. Oui. Il parlait dans un micro qu'on lui a placé sur le côté gauche pour qu'il soit audible. Oui, oui, effectivement. Voilà, c'est vraiment c'est pénible à voir. Oui. Ceci dit, encore une fois, l'entourage du président nous présente un chef d'État intéressé beaucoup plus par le football que par les véritables problèmes quotidiens que vit le citoyen algérien. Des problèmes que les conseillers de l'ombre font tout leur possible pour les étouffer. Et il n'y a pas mieux que le couvercle du football pour étouffer ces problèmes. D'où une récupération politique honteuse d'un événement qui, franchement, ne mérite pas tout ce halali, hein, qui a entouré le retour des footballeurs algériens. Dois-je rappeler que l'équipe de 82, qui avait réussi deux grandes victoires, au point où on a battu l'Allemagne 2-1 pour une première participation. Hein. Deuxièmement, c'est le premier match. Et la moyenne d'âge des joueurs était de 23 ans. Assad, Majer, Merzkhan, Bellomi n'avaient pas 23 ans à l'époque. Et mieux encore, cette équipe avait battu aussi le Chili, qui est une grande équipe. On a tendance à l'oublier. Donc, deux victoires. Et on avait contraint deux ogres du football européen, l'Allemagne et l'Autriche, à combiner devant tout le monde, à être la honte du monde. Et à ce jour, l'histoire retient cette tricherie. Et c'est grâce à ces jeunes footballeurs pur produit national. Alors maintenant, cette équipe de 82, quand elle est rentrée en Algérie, elle est rentrée par une porte dérobée de l'aéroport. On allait les lyncher parce qu'ils ne s'étaient pas qualifiés pour des huitièmes de finale qui leur ouvraient toutes grandes des portes. Cette équipe de 82 avait le mérite de se qualifier pour le mondial hispanique parce qu'à l'époque, il n'y avait que deux équipes africaines et non pas cinq. Donc, les éliminatoires étaient très difficiles. On s'était qualifié aux dépens du Nigeria, le grand Nigeria, champion d'Afrique en titre, et non pas aux dépens du Burkina Faso. Je ne reviens pas sur cette équipe 82 dont certains cherchent à effacer l'histoire, alors qu'elle est un véritable produit national, un produit qui a été couvé depuis les catégories cadettes. Et à l'époque, non seulement on produisait des footballeurs, mais on produisait même leur équipement. Pour la première fois dans l'histoire du football mondial, une équipe a participé aux phases mondiales, aux phases finales, sans Adidas, sans équipement Puma, sans équipement Coq Sportif. Équipement Sonitec, c'était en 82-90. Ce qui prouve qu'à l'époque, l'Algérie produisait des footballeurs et de l'équipement. Mieux encore, je me souviens à l'époque, Rogov qui avait qualifié l'Algérie contre le Nigeria, M. Abnour Baka, qui était ministre de la jeunesse des sports, l'avait congédié et l'avait remplacé par Khalif Mokhloufi. J'étais journaliste sportif à l'époque et j'étais voir M. Baka pour lui demander pourquoi il limoge un entraîneur qui a assuré la qualification. Et puis, on n'était qu'à 6 mois du mondial. Abnour Baka me disait « Je n'ai pas le courage d'envoyer une équipe algérienne à sa tête un entraîneur étranger. » Aujourd'hui, non seulement nous avons une équipe pratiquement toute porteuse du passeport français, quand ils vont jouer en Suisse, ils présentent un passeport français à la frontière, la police de frontière, et quand ils vont au Brésil, ils présentent un passeport français, mais non seulement les joueurs, le staff technique aussi. Le staff technique est français. Le staff médical est français. Le kiné est français. Le caméraman est français. Alors, mais Abou Deschem, justement, Abou Deschem, sans oublier le mérite de nos compatriotes émigrés absolument. Qui ont accepté de relever le défi
parce que sans eux, ça aurait été la Bérézina. Mais comment expliquez-vous ce culot phénoménal de ce régime qui, au lieu d'assumer un constat d'échec, qui n'a même pas été capable de former une équipe de football moyennement honorable, l'importe, comme tout un chacun le sait, à 70%, en plus de tout le staff que vous venez de citer, et s'affichent et ils ont le culot de faire comme s'ils avaient gagné la Coupe du Monde, et grâce à eux en plus. Alors, je dois dire que à cette récupération politique, je l'ai dit déjà, elle est honteuse, parce que tout le monde peut être fier de cette équipe, parce que cette équipe est composée d'enfants, d'immigrés qui ont trimé dur pour donner naissance à ces jeunes footballeurs, pour leur transmettre le virus du patriotisme. Ces enfants sont bons patriotes, hormis un ou deux qui ont demandé de l'argent, qui ont hésité à rejoindre l'équipe et qui n'ont rejoint, certains n'ont rejoint l'équipe qu'une fois qualifiés pour le Mondial 2010. Pour tout le reste, ce sont de bons patriotes. Moi, je connais bien les enfants d'immigrés ici, hein, ceux qui n'ont jamais mis les pieds en Algérie. Eh bien, ces jeunes aiment l'Algérie. Et n'oublions pas que ces travailleurs immigrés ont toujours transmis l'amour de l'Algérie à leurs enfants. Le plus bel exemple nous venait de Dahl Mustafa, qui, à l'époque, en signant son contrat professionnel avec Sedan, qui était l'un des plus grands clubs français dans les années 70, Dahl avait mis entre parenthèses sa carrière professionnelle pour aller faire son service militaire en Algérie et signer dans un club amateur qui était le Chabab de Blouizdad. Regardez, moi, j'estime qu'il y a un grand mérite quand ces immigrés qui ont quitté l'Algérie pour aller chercher leur nourriture ailleurs et nous donner naissance à des jeunes footballeurs qui ont levé haut l'étendard algérien. Tout le monde peut être fier de cette équipe, sauf les dirigeants, parce que eux, c'est un constat d'échec. Ils ont échoué. D'ailleurs, nous n'avons même pas de stade. Nous avons des stades, mais nous sommes incapables d'entretenir une pelouse. Et pourtant, ils pavoisent. Parce que nul n'est à sa place en Algérie. Et ils pavoisent, ils sont heureux, ils sont fiers, ils sont en train de se faire applaudir à la place de cette équipe. Ils prennent des photos de famille, etc. Oui, ils ont endormi le peuple. Ouais. Comme tu le disais, ils l'ont shooté au football, ce peuple, ouais, pour jouer le beau rôle. Mais le peuple doit savoir que ces dirigeants n'ont aucun mérite. Ils n'ont pas à être fiers de ce qui est réalisé par des gens, parce qu'il y a des jeunes footballeurs, porteurs de la société française, qui sont d'origine algérienne, et il y a un staff technique étranger. Et là, je reviens à ta première question, mon ami Jamel, quand tu me dis Bouteflika ordonne, oui, il pense que tout fonctionne à l'ordre. Il ordonne un joueur de s'agenouiller, lui qui, ouais, a la mentalité du monarque, ouais, hein, ouais, il veut que les gens s'agenouillent devant lui, et voilà qu'il ordonne du maintien de Halil Osic. Mais ce bonhomme, ce président qui semble trop s'intéresser au football pour parler du match Atlético-Barça avec le ministre espagnol des Affaires, oui, étrangères, oui, et pour aujourd'hui, pour envoyer deux messages à l'équipe nationale, alors qu'il n'a même pas adressé le moindre message aux Algériens chaque fois qu'il y a des problèmes. Il ne s'adresse pas du tout aux Algériens, d'ailleurs. Oui. Et là, le bonhomme, ceux qui ont passé ce passage, hein, ceux qui mettent en valeur ce passage, sont des ignares en matière de communication, parce que il montre un président ignorant des règles et des lois. Ce président ignore certainement que Halil Osic a signé un contrat déjà avec le club turc Trabzonspor et que la fédération algérienne a signé un contrat avec Christian Gourcuff, l'entraîneur français de Lorient. Voilà. Alors, cet ordre, comment il va être suivi des faits? Et puis, Halil Osic n'a pas voulu signer son contrat avant le Mondial, n'a pas voulu le renouveler malgré les propositions incessantes de Rawarawa. Pour une question toute simple, il voulait quadrupler son salaire. D'ailleurs, il l'a dit, une fois que le président lui a proposé de rester, il a dit à Rawarawa, là où je vais, on me propose 4 fois le salaire. 4 fois, ça veut dire quoi? Halil Osic perçoit 65 000 euros par mois, en plus des primes. Primes de qualification, primes de participation,
Et la prime 65 000 euros par mois ? Par mois. C'est l'entraîneur le mieux payé en Algérie. Jamais un entraîneur n'a aperçu ce salaire. Et jamais un Algérien, même le chef de l'État, ne perçoit pas ce salaire. C'est une insulte à l'effort à tous les Algériens. Et en plus des 65 000, il a une villa louée à 100 millions de centimes à Algériens qu'il n'occupe pas, puisqu'il vit en France. Et on lui rembourse même ses notes de frais. C'est-à-dire quand il prend un café à Lille, on le lui fait rembourser. Et quel a été son rôle dans la formation de cette équipe ? Alors, voilà, tout le monde fait aujourd'hui de Halilhodžić une icône du football. N'oublions pas que Halilhodžić n'a rien fait dans la formation de ces jeunes footballeurs qui ont été formés dans des centres de formation français et dans des clubs étrangers. Il a eu une pléiade de jeunes talents qui évoluent dans de grands clubs européens tels que le FC Porto, où évoluait notre champion Arab Ahmadjem, à l'Inter du Milan, à Naples, à Tottenham, c'est-à-dire des grands clubs. Lui, ce qu'il a fait, il a sélectionné ce qu'il a, et il a brisé des talents. Il a brisé Belfodil, qui brillait. Il a brisé Boudebouz, qui brillait aussi à Bastia, un club de première division française. À qu'est-ce qu'il paye ? Il a monté un puzzle. Voilà, monter un peu, c'était un coach. Il a fait participer 20 joueurs, ce qui a étonné tous les observateurs. Mais il faut dire que c'est tout à fait normal de faire participer parce que ce sont tous des joueurs d'égale valeur. Donc nous avons pratiquement deux équipes. Il a un bon de touche extraordinaire. Rares les équipes qui ont un bon de touche. C'est une équipe qui ne dépend pas d'un joueur, mais qui dépend d'un groupe. Et puis, si on compare cette équipe en 2014 avec celle de 82, Mahloufi, on peut dire qu'il a monté une équipe. Mahloufi passe tout seul, mais avec ses camarades de l'équipe du FLN, Soukane, Majouza, etc. Permettez-moi de vous citer un exemple. Hein. Majer, quand il a été pris en charge par l'équipe de Mahloufi, avait un problème de sinusite, un problème de nez. Et il a été pris en charge par Mohamed Soukane, il a été soigné et on a décelé en lui un immense talent. Bloumi évoluait à Fleury, à Khmis, à Khmis Mliana. On l'a ramené. On ramenait des joueurs d'un peu partout. Et je donne l'exemple de Mahmoud Gendouz, qui a signé un bail de 10 ans, hein, l'emblématique capitaine de l'équipe nationale des années 90. Mahmoud Gendouz a commencé à signer sa première licence à l'âge de 23 ans. C'était honnête. Aboudéchem, il nous reste plus de temps. Aboudéchem, il nous reste à peine 5 minutes pour traiter d'un gros morceau qui est celui de M. Raouraoua. Monsieur, j'aimerais que vous nous parliez de M. Raouraoua. J'arrive. Je termine sur l'exemple de Gendouz pour dire comment on forme une équipe. Gendouz a joué 5 matchs, il a été appelé à jouer contre la Tunisie. Je demande à Mahloufi comment peut-il juger un joueur sur 5 matchs. Il me dit non, on l'a jugé sur les matchs qu'il n'a pas joué. Et c'était Majouza qui le suivait, Allah yarhamou, parce que à l'époque, quand des joueurs ne jouent pas, le lendemain, ils font des matchs entre remplaçants. Et c'est comme ça qu'on forme une équipe. C'est une équipe qui a été champion du quart de finaliste de la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde, qui s'est déroulée au Japon, quart finaliste des Jeux Olympiques de Moscou 80. Elle a été finaliste du championnat d'Afrique 80, senior. Donc c'est une équipe, ça a une formation. Halilhodžić n'a rien formé, il a trouvé une équipe. Maintenant, vous parlez de Raouraoua. Voilà. Oui, aujourd'hui, joue le beau rôle. Vous savez quel est le rôle d'une fédération ? D'abord, il devient président par intérim de l'Union, la Fédération arabe de football. Oui, il faut rappeler que cette Union arabe de football n'est pas reconnue par la FIFA, une instance au sein de laquelle siège M. Raouraoua après avoir été élu à la CAF grâce à 1 million de dollars payés par Nejma et une mallette de téléphone portable et de tablette. Et j'ai écrit cela dans le quotidien Mon Journal sur trois parties et Raouraoua a été invité à me répondre par la chaîne télévision Nejma, par la chaîne française France 24, par différents journaux, y compris Al-Watan,
et il a refusé de répondre et il n'a pas osé me poursuivre en justice pour diffamation parce que ce n'est pas de la diffamation, c'est un corrupteur. Il a corrompu les instances de la CAF pour se faire élire. Ceci dit, on laisse ce côté. Maintenant, parlons football. Qu'a fait la fédération pour le football algérien? Rien. La preuve, sur les 20 joueurs participants Alors à la Coupe voilà. du Monde, hein, ceux qui ont participé, ceux qui ont joué, il y a deux gardiens qui n'ont pas joué, Kadamourou, qui est aussi issu d'un championnat étranger. Aucun joueur n'évolue dans le championnat national de football. Aucun. Bien au contraire, le championnat tunisien nous fournit un joueur, Djabou. Le championnat qatari nous fournit un joueur, Kira. Mais le championnat algérien ne fournit rien. Oui. Donc, le football algérien est dans le marasme. C'est un football dominé par le Gara, hein, par le Djibat Zaraba, comme tu disais si bien tout à l'heure. Un football où on importe aussi des joueurs qui n'ont pas leur place dans des clubs CFA. C'est devenu à la mode. Mais comment un homme pareil, aussi négatif, qui traîne une réputation aussi lourde, a-t-il pu rester aussi longtemps à la tête du football algérien, un football qui a sombré, qui a fait naufrage? C'est incroyable. Non, non, mon ami, je ne suis pas d'accord avec toi. Il est à sa place dans un système bâti sur la corruption, sur la gabegie. Rawa est à sa place. La On médiocratie trompe le qui ne peut générer que les médiocres. peuple. Oui, on trompe le peuple grâce à la manne pétrolière parce qu'on ne fait que payer du joueur, entraîneur, équipement. On ne fait que ça. Les entraîneurs qu'on ramène qui n'ont pas leur place dans des clubs de CFA en France, on les ramène en Algérie alors que nous avons des compétences. Le seul entraîneur à avoir entraîné une équipe de deuxième division de Ligue 2 en France, Mahmoud Gendouz, n'a pas sa place en Algérie. Benchikha n'a pas sa place en Algérie. Aït Joudi a été limogé par le président de la GSK alors qu'il venait d'être deuxième au championnat et finaliste de la Coupe d'Algérie. Et j'étais avec lui à Fès et je voyais comment les Marocains traitaient Aït Joudi comme un prince. Il était comme un prince. Saadane, on ne lui a reconnu son talent qu'une fois qu'il a battu une équipe algérienne avec une équipe marocaine, le Raja de Casablanca, pour remporter la Coupe d'Afrique des clubs champions. Nous avons de la bonne patte, nous avons des entraîneurs, nous les ignorons. On ramène, moi j'ai été avec, j'étais à Milan, je m'entretenais avec des dirigeants de l'Inter de Milan. Ils étaient étonnés de voir quelqu'un qui touchait 1300 euros par mois à l'Inter de Milan et qui s'occupait des catégories cadettes, prendre en main un club comme le Mouloudia d'Alger et il percevait 10 000 euros par mois. Alors, les gens s'étonnent. Quand je parle de Cavani, qui a été entraîneur national, le mieux qu'il a pu avoir, c'est une équipe de deuxième division à Ajaccio et il l'a rétrogradé et puis il a été limogé. Aujourd'hui, il est au chômage. Tous les entraîneurs français qui évoluent ou étrangers qui évoluent en Algérie n'ont pas leur place dans le championnat de leur pays. Et en Algérie, ils sont Mais pourquoi, pris en charge devant, et accueillis à bras ouverts. pourquoi devant une telle dévastation, devant un tel saccage du football, le monde du football ne bouge pas? Est-ce que le monde du football est à l'image du peuple algérien qui assiste comme ça, les bras croisés à la déchéance de son propre pays? Est-ce qu'il en est de même pour le football, que les gens voient le football qui est devenu un souk, un bazar, un repaire de brigands, et tous ces gens que vous citez, ces footballeurs valeureux, ces anciens footballeurs, ces anciens entraîneurs, ces anciens organisateurs, pourquoi ils ne bougent pas? Il ne bouge pas parce qu'il y a d'abord l'arme de la corruption, il y a l'arme de la répression. Moi, quand je vois le silence, il n'y a pas que les footballeurs, tout le monde se tait quand Bouteflika décore de l'ordre du mérite national, Zinedine Zidane, qui n'a rien donné au football algérien, et ignore les joueurs de 82, ignore Assad qui a sacrifié sa carrière pour le football algérien, hein, en allant jouer blessé. Même un match amical, il ne le refusait pas. Il a joué le match contre le Brésil au Mexique avec 27 débris de cartilage dans son genou. Assad a eu la suprême consécration et la suprême récompense en l'envoyant à l'enfer des camps du Sud où il a été torturé, il a été battu, hein, et puis il a été envoyé en prison militaire tout simplement parce qu'il avait cru au discours de la démocratie algérienne. Il avait cru au discours.
Abodeshem, merci pour cet excellent éclairage. J'espère vous retrouver bientôt sur la chaîne Maharibia. Cette émission est maintenant arrivée à son terme. Merci de l'avoir suivi. Salam alaikum, Azul Fillaoun. Passez une bonne fin d'après-midi.